Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour avoir un villageois armuré dans Minecraft. C'est parti. Bon, tout d'abord, il va falloir un villageois. Hein. Bon, peut-être vous savez comment on obtient. Soit vous allez dans un village hein, auquel vous trouvez un villageois dont vous ne voulez pas qu'il ait ce métier-là. Vous recherchez sa table de métier, vous détruisez sa table de métier, puis ensuite vous mettez la table de métier pour qu'il soit armurier que je vais vous montrer après. Ou sinon, le truc qui coûtera un peu plus cher, mais par contre qui vous permettra d'avoir de grosses réductions, c'est de trouver un villageois zombie. Donc vous allez la nuit, vous en trouvez un, vous l'enfermez. Puis ensuite, une fois vous le transformez en villageois normal, ben vous lui mettez le métier que vous voulez, donc là armurier, et en fait il aura des réductions. Donc déjà il demandera soit moins de ressources, soit moins d'émeraudes. Ça peut être très pratique. Surtout si j'arrive vous demande un truc à 5 émeraudes et que vous utiliserez beaucoup. Comme pour le prêtre, moi aller sur l'XP qui ensuite il baisse à 1. Donc je peux en acheter et j'ai quand même 5 fois plus pour quand même 5 fois moins cher. Enfin pour le même prix, hein, ou sinon j'en ai autant pour 5 fois moins cher, vous avez compris. Donc voilà, donc on a notre cher villageois là. Donc maintenant, on va prendre notre table de métier qui là est le haut fourneau. Voilà. Donc là, on va détruire le cher métier de notre villageois. Par contre, être sûr assis, ça va peut-être pas t'aider. Hein. T'as du bois qui s'inflige pas de dégâts, petit villageois. Voilà. D'ailleurs, le pierre détruit. Il a repris son métier normal. Maintenant, on met le haut fourneau. Et voilà, c'est redevenu un armurier. Donc là, il propose quand même de bons trucs. Sinon, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à abonner et à activer la cloche. Et je vous dis à plus pour un prochain clair de génie.